Abonnez-vous à la chaîne pour voir les dernières vidéos. Le visage de Gwendal Ezra est bien connu des Français pour ses exploits sportifs. D'abord, sacré champion du monde de patinage artistique en 2000, il a également été champion olympique de danse sur glace avec sa partenaire Marina Anissina. En 2002, mais le public le connaît aussi grâce à ses nombreuses apparitions télévisées. Au cours des dernières années, il a participé à plusieurs émissions, telles que Koh-Lanta, le choc des héros en 2010, The Island Celebrity en 2018, ou plus récemment Ninja Warrior. Quand on est un compétiteur comme moi, ça ne se refuse pas. Mais principalement parce que je suis parrain d'une association qui s'appelle Le Blé de l'Espérance, qui s'occupe des enfants hospitalisés, avait-il expliqué dans les colonnes de Télé Loisirs après son passage, en janvier 2021. Mais si Gwendal Ezra fait parler de lui en ce jour, c'est pour une triste raison. En effet, comme l'ont appris ses abonnés sur Instagram, il a été victime d'un terrible accident de voiture 2 semaines plus tôt. S'il s'en est heureusement sorti indemne, il n'en demeure pas moins que le choc a été très violent. En témoignent les photos dévoilées par le patineur. Sur les clichés dévoilés par Gwendal Ezra, les internautes peuvent découvrir le véhicule du sportif complètement détruit. La carrosserie est enfoncée vers l'intérieur et les vitres sont toutes brisées. Rien d'étonnant puisque, comme l'a ensuite montré le patineur, il s'est fait percuter de plein fouet par un autre automobiliste. Il y a tout juste 15 jours, ma vie prenait un nouveau sens, explique en légende Gwendal Ezra, lequel a bien conscience d'avoir évité un drame de justesse. En ce qui concerne les circonstances de l'accident, il semblerait que le mec d'en face ait raté son virage. C'est en tout cas ce qu'a expliqué Gwendal Ezra dans les hashtags sous sa publication. Plus de peur que de mal pour la légende du patinage artistique, qui aurait pu souffrir de dommages bien plus importants à en croire la violence du choc.